J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Allez, dégagez de là. Monsieur Charles Reed, quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravi de vous rencontrer, monsieur... Johannes van der Berg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur van der Berg. Je vois que vous prenez le mot « dès » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johannes. Mais où sont mes manières? Bienvenue dans la fière ville d'Oakmont. Hélas, elle a connu de meilleurs jours, mais jamais de plus importants. Venir jusqu'à Oakmont n'a pas été une partie de plaisir. La ville ne figure sur presque aucune carte et ce pauvre bateau délabré est le seul à naviguer jusqu'ici. Comment ça se fait? Oakmont n'est pas un lieu ordinaire. Son emplacement géographique unique et l'inondation, une catastrophe naturelle récente, la rendent particulièrement difficile d'accès. Mais vous y êtes parvenu, monsieur Reed. Je suis sûr que les courants du destin vous auraient amené ici d'une manière ou d'une autre. Dites-moi plus au sujet de cette inondation. Ça a commencé il y a 6 mois. Les tempêtes ont fait rage pendant plusieurs semaines et le niveau de la mer n'a cessé de monter. À présent, la ville est coupée du continent. Je dois admettre qu'en dépit du côté peu pratique, ça me plaît beau. L'ambiance, vous savez. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Les visions empirent. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici, à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Comment puis-je trouver Monsieur Throgmorton? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Throgmorton est assez... facile à reconnaître, dirons-nous. Pouvez-vous me parler de Monsieur Throgmorton? Une remarquable créature. L'héritier d'une robuste lignée. Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Oakmont. C'est un homme d'une grande ambition, uniquement surpassé par son ego. Ne le faites pas attendre. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. L'habit ne fait pas le moine, monsieur Reed. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johannes. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. D'autres lieux? Lesquels? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Comment occupez-vous vos journées, monsieur van der Berg? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Oakmont, la philosophie? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci, grâce à vous, je m'y retrouverai un peu mieux. Non, non, tout le plaisir était pour moi, monsieur Reed. Non, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ce qu'il cherche.
Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites? Eh bien, peut-être qu'on peut s'aider l'un l'autre, alors. Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Que cherchez-vous à accomplir exactement, étranger? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent. Un homme au-dessus du lot. Ce n'était pas lui. La disparition d'Albert est un coup monté par ceux d'Innsmouth, je vous le dis. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Innsmouth dont vous parlez. Ces faces de poisson ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Innsmouth en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les Shells. Ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Throgmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poisson ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée de Throgmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines. Mon père s'est uni à une certaine famille royale, ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. Monsieur Throgmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres, et puis, qu'avez-vous à y perdre? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. Pardon, avez-vous dit Vera? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté. Vera signifie « très bien ». En l'occurrence, marché conclu. Je vois. Merci. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Albert. Drock, êtes-vous donc sourd? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Où est la maison où tout ceci s'est produit? Parquet. Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas.
Le temps ici est fort agréable, monsieur Throgmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le renverser comme ça... Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Chou-chou. Chou-chou. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné. Marrant. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Manquait que 5 cartes pour un full house. Bonjour. Hé. Hey. Vous m'entendez ? Ah ! Oh, ma tête ! Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh, ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Hammond. Je suis pêcheur, comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth, Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais les trains ne circulent plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Je me souviens pas trop. Paul, Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Throgmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler M. Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Parquet ! Ma tête a explosé. Ensuite, il s'est réveillé et... Après ça, je me souviens plus de rien. Juste... des rêves. Les rues submergées. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ah. Ça me dit quelque chose. Qui est ce Kay dont vous parlez sans cesse ? Un peu de respect, étranger. Kay est notre seigneur. Notre lumière. Notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Où sont tous les autres gars ? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kay soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Throgmorton. Ce chansard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Throgmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Savez-vous comment Paul est mort ? Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits... Il était déjà... parti. Que Kay bénisse son âme. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai tué Paul ? Par Kay. J'ai fait ça ? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais arriver. «
Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Voilà donc à quoi ressemble ce Dinsmus. Grain in regrain geb ein glüh naftagne. Qu'est-ce qui m'arrive ? Voyons voir ce qu'on a ici. Qu'est-ce qui m'arrive ? Prends sa face de singe. Quand Albert Throgmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. Ma tête. J'entends encore les voix. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Il me semble que mes instructions sont claires. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Thank you.
Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Albert, en dépit de ses blessures, est parvenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. Quelque chose dans la poche. Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé. Monsieur Throgmorton, je suis tombé sur des... Quoi ? Je n'ai pas toute la journée. Sur des créatures étranges dans les parages. Et elles n'étaient pas vraiment amicales. Vous avez croisé ce qu'on appelle une malbête, monsieur Reed. Je suis étonné de vous voir toujours en vie. Elles sont apparues après l'inondation. J'ai financé quelques études sur elles. Mais nous n'en savons guère plus. Ce sont des bêtes violentes qui, fort heureusement, ne sont pas insensibles aux balles. Ouais, j'ai vu ça de mes propres yeux. Essayez de les éviter autant que possible. Faute de quoi, gardez bien le doigt sur la détente. Monsieur Throgmorton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché, et il avait une balle en pleine tête. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Non. Toutes mes condoléances, monsieur Throgmorton. J'avais espéré trouver autre chose. Mon pauvre Albert.
Notre sang a tant coulé. Et en vain. Pour rien. Vos condoléances ne le ramèneront pas à la vie. Dites-moi qui l'a tué. Je veux le regarder dans les yeux. Qu'il me supplie de l'épargner. Tout porte à croire qu'il s'agisse d'un pêcheur du nom de Lewis. Il était armé et a pourchassé Albert quand celui-ci a fui la maison. Le coupable est Lewis, alors. Que savez-vous de lui? Eh bien, vous aviez raison. Il vient d'Innsmouth. C'en est fini de ces maudites faces de poisson. Quand je mettrai la patte sur eux, ils regretteront le jour où ils ont osé s'attaquer à un Throgmorton. Amenez-moi cette ordure de Lewis. Lui et moi avons un compte à régler. Rendez-moi ce service, et en retour, je vous aiderai par tous les moyens. Ma tête. J'entends encore les voix. Vous auriez pas une balle en trop, l'ami? Ça fait des jours que j'ai pas mangé. Vous me dites quelque chose, mais Billy vous a jamais vu dans le coin. Restez sur vos gardes. Il y a des monstres sous terre. J'ai raté la distribution de rations des Carpenters avec cette foutue fermeture du port. Ne recommencez pas. Bienvenue dans mon bistrot. Vous prenez quoi? J'ai aperçu des créatures plutôt troublantes dans le coin. Jamais rien vu de pareil. C'est quoi ces monstres? Alors, vous avez vu une malbête, étranger? Personne ne sait ce qu'elles sont exactement, mais estimez-vous heureux d'être encore en vie. Elles sont arrivées avec l'inondation. Il y en a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par Kay pour nous punir. Et qu'est-ce que vous dites, vous? Si elles saignent, alors on peut les crever. Gardez votre arme à portée de main. Et si vous préférez les oublier, ma foi, j'ai le remède idéal juste ici. Souvenez-vous, mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage. Sauf si on a un étranger. Je cherche un homme du nom de Lewis Flynn. Vous savez s'il est dans les parages? Même si je le savais, je dirais rien à un étranger. Figurez-vous que je suis au courant de la dette que vous devez à M. Flynn. Le souci, c'est que j'ai trouvé votre message près du corps d'Albert Throgmorton, le fils de Robert. On dirait bien que Lewis a des problèmes, donc. Peut-être même qu'il est venu ici pour se cacher. Mais si vous me le confiez, vous n'aurez pas honoré votre dette, vous comprenez? Drogue! Alors le sang, c'était... Bon, d'accord. Si ça me sort de ce bourbier, vous pouvez l'emmener. Alors? Il est en haut. Tenez, la clé.
Faut me promettre de lui régler son compte une fois pour toutes. Mais pas de fusillade dans mon bar, pigé. Sage décision. Vous avez fait votre bonne action du jour. Au revoir. Mais bordel de... Hé, hey, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a engagé pour retrouver son fils, Albert. Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Brock, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. J'ai rien à cacher. Quel genre de... Pourquoi votre... votre visage? Oh, alors vous êtes venu pour vous en prendre à moi juste parce que j'ai l'air différent? On veut me cracher dessus? En parler à ses amis? Encore un autre? Non, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous. Ce n'était pas méchant. Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer. Vous allez en voir beaucoup par ici. Alors mieux vaut vous y habituer. Nous sommes fiers de notre identité. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre maison, Paul, Will et moi. Barry était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez, Lewis, concentrez-vous. Bon. Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous. L'arrêtez pas de dire que Monsieur Throgmorton nous filerait un pactole pour avoir sauvé son fils. Mais le singe, l'était inconscient. Puis il s'est réveillé en un instant et s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semonce, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Pourquoi? Je m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si... je voyais plus que du sang. La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Et moi, couvert de sang. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire, et j'avais raison. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Throgmorton. Vous voulez m'en dire plus? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors? On a dû se battre pour chaque morceau de pain. Et ces Throgmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est? Alors comme ça, c'est un étranger, hein? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. Ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Oakmont. Il y a les Carpenter, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth, par la famille Marsh. Et laissez-moi deviner, les Throgmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, Monsieur Reed, me dénoncez pas à Throgmorton. Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de faim. Ce n'est pas une décision à prendre à l'emporte-pièce. Je dois y réfléchir. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose pour vous motiver. Il me reste quelques balles.
Vous pensez que vous êtes le premier homme à essayer de me soudoyer ? Pitié, monsieur Reed. N'abusez pas de ma patience, monsieur Flynn. Tout comme je le soupçonnais, Lewis Dinsmouth est celui qui a tué votre fils. Il se cache dans le bar du coin. Il vous suffit d'aller voir le barman. On dirait qu'il avait un compte à régler avec votre famille et qu'il s'est déchaîné sur Albert. Cette pourriture ne s'en sortira pas si facilement. La ville tout entière verra ce qui arrive à ceux qui s'en prennent au Throgmorton. La justice, si amère soit-elle, sera rendue. Il est rare de voir un étranger se rendre aussi utile que vous. Merci. Monsieur Throgmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent ? Oui, vous l'avez bien mérité. Parkay, un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont ? Je pense que je perds la raison, monsieur Throgmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi ? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Oakmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des rues inondées. Une voix appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Désespérée qu'elle était de découvrir la cause de tout ceci. Une expédition géologique ? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source. En haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. Vous avez parlé de l'inondation. Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle ? Vous n'étiez pas là, monsieur Reed. Ce qui est arrivé défiait toute logique scientifique. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit ? Je l'ignore. Albert, en fait, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port ? Où sont les autres ? Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition ? Est-ce si invraisemblable ? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Par où devrais-je commencer ? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. Et une clé. C'est tout ? Vous n'avez rien d'autre ?
Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, Monsieur Throgmorton, je voulais juste... Enfin... Plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Qu'en est-il de mes dépenses ? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici, au port. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. En munitions ? Le dollar n'a plus cours ici, Monsieur Reed. Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets.